Eh bien, bon, téléspectateurs de la voix d'Amérique, moi, salut nous, bien content de vous parler. Ça fait, il y a une part capable de parler parce que, bon, moi, j'étais pas fatigué, non, même j'étais tellement occupé hier parce que nous connaissons un camarade, moi, Jacqueline, il était, bon, il n'est pas là, il était empêché, donc il n'est pas présent. Donc, j'étais qu'un peu pour lui, donc, les marqués pour Jacqueline, m'ont obligé de doubler. Non seulement, je ne fais pas le tout. Donc, ça veut dire que ça prend tout petit temps que nous avons une fois parler avec nous, pas de gueule. Donc, nous saluons quand même. Et m'a dit, nous, go, merci pour tout le support, tout les amis nous avons parlé. Là, nous sommes à Chicago. Toutes les questions que tout le monde nous a posées à Chicago. Pour me dire, Chicago, bon, je ne vais pas répondre parce que je me rappelle que je m'ai conduit. Et le fait que je m'ai conduit, je suis capable effectivement répondre aux questions. Même si les commentaires nous ont fait, après les mouvements, les commentaires. Et je suis bien content, je suis bien satisfait, je suis comment nous-mêmes tous nous sommes très intéressés. Avec, si vous voyez ça, que mène nous dans l'aéroport O'Hare à l'hôtel que je en bas de la ville de Chicago. Je soutiens en bas de la ville de Chicago, mène nous tous dans l'aéroport O'Hare, nous accompagnons. Et tout comme tout, pendant que nous sommes sous le point du sable, là, côté que c'est la raison qui fait notre bois, c'est une célébration, une commémoration de la mort et Jean-Baptiste Point du Sable, fondateur de la ville de Chicago. Bon, nous sommes bien contents de nous être là et puis nous sommes, bon, en tout cas, et organisateurs satisfaits de travail, vie a été fait avec eux en tant que sorte de partenariat que nous avons fait depuis pratiquement plus un peu 3 ans. Que nous faisons partenariat avec justement pour nous porter héritage ou l'idée que Jean-Baptiste Point du Sable gagne ensemble avec l'association et nous essayons de porter le plus loin possible pour nous capables et qui est-ce que Jean-Baptiste Point du Sable, vision qu'il a gagné et porter le plus loin de façon ou même quelque chose que tu as regardé nous ou même tout au courant de Jean-Baptiste Point du Sable, que en pile américain par connaît que c'est un haïtien ou explorateur haïtien qui t'a découvert Chicago. En pile américain par contre ça ou c'est mon démon yo mon démon qui ça dit là alors que son bac était de commencer c'est mais effort fait pour ça quand même au moins dans Chicago au moins gain et reconnaissance en défaite tant sur plan officiel. Alors actualité sur plan international, donc on est d'abord activité dans Niger, leader militaire et coup d'état qui d'ailleurs est suivant une délégation ECOWAS, une délégation bloc économique Afrique de l'Ouest, pays Afrique de l'Ouest. Eh ben bon, yo clair yo dit yo dit que yo pas bail pouvoir pas avant 3 ans. Ça veut dire pas plus tard que 3 ans. C'est ça que yo dit, yo pas passer pouvoir ba un gouvernement civil. Donc message là, li sorti, qu'il y a qui réaction pas gagner communauté internationale pas sur question là. Nous était pour nous ouais ça cap gagner quand même, mais au moins qu'il y a une position qui ferme et yo dit pendant combien de temps que y a qu'il pouvoir. Dans notre programme de mini-actualité, c'est l'ancien président Donald Trump, nous connaissons qui est devant la justice. Eh bien, le dossier a marché parce que l'autorité dans Fulton County a été balé jusqu'à vendredi, même avec 18 autres monde qui sont censés inculper ensemble avec lui, et pour pression été fait sous dirigeants, ou bien encore pour inculpation, ou bien encore pour participation, dans chercher à renverser les résultats de l'élection 2020. Eh bien bon et finalement nous connons l'autre banque mais avocat cap défendre président Trump yo eh ben n'a d'abord compté à te bailler ancien président jusqu'à vendredi ensemble avec co accusateur pour te rendre tête yo volontairement bas la justice volontairement veut dire porter ou en tête ou porter tête ou venir yo pas ni vin arrêter ni yo porter tête il te bailler vendredi midi tapant pour rendre tête. Et même, il y a deux nouvelles pour nous, d'après ça, que les médias américains ont rapporté, même le président, ancien président a rapporté, même sur les social media, sur médias social par là, que les tout social. Eh bien, d'abord, il dit que lui-même, il y a un plan pour lui rendre tête, jeudi plutôt. Donc, jeudi pour aller, pour la rendre tête, il dit qu'il a descendu à Atlanta, dans Fulton County, pour la poser tête, il est plus capable d'arrêter. Nous racontons ça, nous racontons ça, il dit, non. Le président, moi, c'est président des États-Unis, nos problèmes avec la justice, c'est qu'on y a nos problèmes pour le tac à aller dans la prison. Et l'autre 18 mounio, qui sont ces co-conspirateurs, ils ont même eu gagné vendredi, mais le président Trump lui-même dit qu'il est libre d'aller par le tête. Alors, par le cas parlé, il dit qu'il n'y a pas de conditions pour remplir, il n'y a pas de bail pour responsable, shérif, qui est responsable à faire prison, ça, qui est en prison, qui est en banquette.
qui semblait pour penser de violation de droit de l'homme, fait. Mais même prison, ça, c'est la présidente Trump qui dit que je vais rentrer. Maintenant, elle est rentrée, elle a ça qui va passer. Et il dit, contrairement à l'autre côté qui était inculpé déjà, l'autre État, tant qu'au New York, tant qu'au Floride, qui était inculpé déjà, eh bien, fois ça, l'État semblé, il a fait photo président, il a fait empreinte. Alors, comme il va être un prisonnier, leur en tête, on démarche pour faire, on audition pour faire, puis ouais, est-ce qu'on peut représenter un monde qui est capable de sauver, ou bien est-ce qu'on peut représenter un danger pour la communauté, et laisser après qu'on si ou une autre est capable de la gauche sous caution. Alors, dans le cas ça, et avocat capable de défendre le président, et bien, il y a un jeu nous entente avec Comté, et poursuiteur, mon cap, et cap chercher juger président, et bien bon, et bien, je nous entente avec elle. Pour payer 200 000 dollars caution. Donc, bond lancé un corps au bail qui garantit le libéraux provisoirement. Donc, avocat, ancien président, il entend avec le juge qui a supervisé le dossier, et bien, il entend pour le bail 200 000 dollars caution. Alors, je vais m'expliquer une autre bail. Soit faire bond là. Bond, il y a le bond ou bien encore. Et son corps ou bah, on sort de dépôt qu'on bah, y a pas un boussole. Si vraiment ou pas sauvé ou tourner, y a pas un boussole. Dans le cas, il y a un monde tant qu'on va, on va me dire, t'as un problème avec la justice. Y a arrêté moi au même côté, y a rien droit libérer. Y a rien droit libérer sous caution, même janto. Même après, et forme d'une compagnie, dans le cas, pas maintenant, une compagnie qui bail, qui belle moi, c'est-à-dire qui paye un bon pour moi, pour libérer sous caution. Comme moi, la compagnie qui va garantir ça, moi, je vais 10% dans le cas. Et 10% ça, il n'y a pas de garantie, je vais dire dans le cas ça, 200 000 dollars, il n'y a pas de garantie comme ça, s'il n'y a pas 10%, cash par la base, c'est ça, pour le vivre, c'est business basé. Soit le partenaire peut dire comme il y a. Donc, son problème lié pour lui, il faut une garantie. Autrement dit, si je suis bien assez, on dit bien assez, je suis caï, je suis paquet de bail, qui a garanti que je ne vais pas faire au rond port, je ne vais pas sauver, etc. Capable d'entendre qui vient pour que je ne vais pas gagner, comme garantie, si je ne vais pas tourner, l'État saisit. Voilà, c'est ça. Donc, 200 000 dollars, c'est ça que l'avocat ancien président joint avec l'autorité pour que l'aide présidente présentée, eh bien, il fait formule bah, normal, tout ça que vous faites, et puis après ça, il tourne la carrière. T'as coup, Jean, que le défait, l'aide est allé dans New York, et l'aide est allé en Floride, l'aide est répond avec le chef d'accusation. Mais jusqu'à présent, le président Donald Trump, ancien président, dit que, bon, lui-même n'est pas coupable, il dit que c'est un chasse aux sorcières à faire pour lui. Non seulement ça, parce que l'ancien président, je me rappelle qu'il l'a mené dans son sondage d'opinion, dans élection parti républicain, et campagne, candidat qui a cherché nomination parti républicain. Et tout, le 25, le président prend le devant, quelques jours même avant, ou bien un jour même après débat et candidat parti républicain, il y a affaire. Candidat parti républicain, il y a un débat à faire, etc., pour justement vendre pour projet au bail public là pour surtout même parti républicain pour montrer que et eux même qui meilleur pour venir faire face avec le président Joe Biden. Voilà, son dossier n'a pas su pour vous, mais le dossier arrêté là qu'on a passé le président dit depuis jeudi lui-même libre aller. Donc n'a prêté pour nous est-ce que ça possible, est-ce que c'est pas possible, mais au moins qu'on est que et arrondissement Fulton County a été balé jusqu'à vendredi midi pour venir en tête li et laisse ça raconte qui ça fait, mais au moins affaire bonne n'a parlé, c'est un 200 000 dollars que avocat le joint en tente avec autorité. C'est ça nous pour comme nouvelle, et puis qui ça gagne encore et l'autre grand point qui gagne en actualité, c'est président Joe Biden hier il était trouvé li dans Hawaï, et bien il était visité une communauté qui était affectée, que du fait bouler, et était affectée, dans le rôle de quelques victimes, il parle avec eux, une sorte de, il nomme un monde qui peut gérer la situation, et promettre que le gouvernement fédéral là, assistance pour recramper sous deux pieds encore, après du fait ça, qui va, bon, il critique quand même, surtout beaucoup de républicains, qui critiquait le président pour dire que il vient trop tard, il était devenu déjà, etc. Mais c'est pas comme ça que mon local, je dis bon, laissez-le
président Vini, il vient pour ton support moral ban nous et seulement pour mettre nous rapide nous quand même reconstruire pour nous camper sur des pieds nous. Actuellement sur plan et la caille, eh bien Haïti gon état d'alerte qui lancé état d'alerte jaune parce que gon on tempête tropicale qui est les une tempête tropicale qui est les et Franklin mais qui frappe Hispaniola. Donc Franklin la frappe Hispaniola, République dominicaine déjà décrété jeudi à partir de midi tout bail fermé, yo bail congé à partir de midi, mais Haïti nous décrété nous même état d'alerte et surtout que il a semblé que ouragan l'a pas attaqué, la frappe surtout zone et il a semblé la frappe zone sud surtout, mais il y a du grand pile l'appli qui a venu avec lui. Donc tout le monde qui concerne eux, toute autorité, que ce soit c'est protection civile, toute partie qui concerne eux, tout le monde sous des pieds, pour porter assistance à la population. Et ils ont demandé à prendre plus de précautions, pas traverser les rivières, sinon, même si nous avons même de l'eau qui a couru dans la route, ou par contre l'eau, par contre, pas essayer de traverser parce que. D'après il y a un responsable, il fait connaître que mon victime, c'est parce que justement il y a marché dans de l'eau, par contre, et puis il est tombé dans tout le gros. Et puis mon regardé lui il fait fond. Alors que il y a des gens qui ont de l'eau, il a marché là-dedans, et puis doit laguer la tête. Et puis il doit tout aller avec tout. Donc il demande mon propre question et il protège les documents que vous avez, sur les documents, baptiste, papier terre, tout le bail officiel que vous avez, passeport, tout le bail ça, et bien protégez, mettez, enveloppez nos plastiques. Marré ou bien marré pour de l'eau pas rentrer dans la plupart des tout et puis mettre un côté et puis mettre tête tout protéger tête tout ça c'est sa responsable et puis t'appelles ça la frappe zone dans un moment actuellement gain une mission et une délégation Kenya qui en Haïti depuis pratiquement depuis dimanche mais délégation ça a déjà commencé au travail il rencontre avec le premier ministre Ariel Henry il rencontre avec le conseil de transition hein. Il a rencontré avec l'autre partie, et cette première continue à rencontrer avec le conseil de police nationale. Le conseil de police nationale, c'est le conseil CSPN. Il a rencontré avec eux. Et la raison, tout simplement, c'est pour faire une évaluation pour justement qu'on ait, qui est en situation, qui est en situation dans le pays, et dans le cadre et promesses, ou bien demandes, ou bien encore et suggestions, ou bien encore. Possibilité pour que ce Kenya t'apprenne tête une force multinationale pour aider la police nationale là bataille contre bandits pour établir la sécurité jusqu'à ce que l'élection déroule dans le pays. Ça, c'est l'autre côté. Et puis, donc, délégation, ça, il aurait pu aller devant les Nations Unies. Pas oublier que tout ça, nous avons fait là, c'est préparation. Parce que les Nations Unies, c'est lui-même qui va autoriser pour une force multinationale aller dans le pays d'Haïti, très certainement, aller aider la police nationale. Donc c'est dans ça nous y est là, donc le ministre des Affaires étrangères haïtien qui était un petit parler avec la presse quand même, et bien, il t'a expliqué, il t'a dit que le dernier mois c'est les Nations Unies, mais la délégation ça tout, il vient pour faire un rapport by Conseil de sécurité des Nations Unies pour le dire, mais ça l'a constaté, et mais ça que lui-même a besoin pour l'organiser, pour participer à la mission et pour réaliser la mission. Je me rappelle que les États-Unis ont déjà fait promesse que lui-même l'a poté collé dans ce qu'il a fait là, que ce soit au point de vue financier, je ne sais pas si au point de vue matériel, équipement, mais au moins l'aspect financier a aidé. Le Canada a tout quitté pour mettre. Pendant qu'il a évité l'autre pays dans la région de Caraïbes là, surtout, et pour l'autre pays qui t'a appelé pour nous contribuer, même si on va contribuer financièrement, mais au moins pour t'as avoué moun. Venir participer dans la mission. Alors, moi, je crois que c'était samedi pour me faire un petit parler avec nous. Moi, c'est que nous sommes très contents. Malheureusement, je ne peux pas lire les commentaires que nous avons fait. Je ne peux pas répondre à une question non plus. Tout. Et, mais ça fait plaisir quand même. Et je dis à. Je dis à Mbana Radio, donc non pas pour me piter dans le journal radio sur la télévision. Mais Jacques qui part là, il tourne hier. Et puis, bon, Valéo, ensemble avec. Et Jean-Cyr Augustin, bon, monsieur, nous connaissons monsieur Chauffeur Gomez là en Australie, gros tourné. Donc, jusqu'à présent, monsieur Dessounet, c'est-à-dire que monsieur Escabre, je vois que j'aime pas Capio, à cause de changement de zone. Donc, monsieur, vous pouvez me reconnaître, côté, parce que d'après ça, Jean-Cyr dit, il dit, l'aile levée le matin, toujours comprendre c'est en Australie, il est toujours. Il faut comprendre que, c'est en Australie, c'est l'aile peut-être. Il garde les et laisse ça comprendre que c'est aux États-Unis. Donc, c'est pour montrer que le fuseau est capable de déranger tout ça. Donc, il prend temps
avant pour qu'on capable retourner dans saleté avant le bon temps. Moi c'est Joël Philippe qui salue nous depuis Hyattsville dans l'état Maryland et qui dit nous bon après-midi, nous encore demain. Restez branchés. OK, non, on va aller. OK. Ta.